Bonsoir, donc nous sommes le jeudi 19 octobre 2017 pour l'émission Radar numéro 28 avec, comme en juin dernier, notre ami Gérald Lebrun. On va parler bien sûr prioritairement d'extractivisme parce qu'il y a beaucoup de projets de mines à la fois en métropole et dans les colonies françaises, en Guyane et ailleurs. Et on espérait, et on espère encore, avoir des Guyanais que j'ai invités lorsque nous étions à des journées organisées par le CSIA, qui étaient très intéressantes, où on a pu parler à la fois avec des représentants et écouter des représentants guyanais, donc des autochtones, des six grandes tribus de Guyane, à la fois celles qui sont sur le littoral et celles qui sont dans les terres, par rapport à cet ignoble projet Montagne d'Or dont on va reparler avec Gérald. Et aussi on a eu des Lakota qui nous ont parlé des suites du Dakota Access Pipeline et à la fois de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand désenchantement, notamment parmi un de ces jeunes leaders Lakota que j'avais vu en octobre 2016 et que là j'ai revu en octobre 2017, qui a lui-même été blessé, arrêté, est tabassé, qui emporte les marques même sur son visage. Et ils étaient tous très émus et assez désespérés. C'est-à-dire qu'ils savent bien que les peuples autochtones sont vraiment dans la dernière ligne droite. On est en train de les mépriser, de détruire leur territoire et de les polluer pour, de manière durable et même définitive. Donc ça ne les porte pas à des réactions d'alacrité, c'est-à-dire ils sont vraiment, il y en a même un qui pleurait avant de parler, qu'ils étaient pris par l'émotion. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui ces combats pour la terre, ces combats pour la Pachamama, comme nous le disons et comme le dit notre ami, et bien les voici, voilà, en direct. Et retourne-toi, voici les représentants guyanais. C'est à eux qu'on va laisser la parole tout de suite. Bonsoir. Parce que c'est tellement rare dans ce pays de colons qui est la France qu'on ait la possibilité d'entendre les gens qui sur place luttent pour essayer de sauvegarder leur terre, leur vie, leur peuple et leur culture. Et donc, voilà, je vous laisse l'esquimau, vous le passez entre vous. Voilà, donc je vous présente, à la fois, vous connaissez peut-être Monsieur Gérald Lebrun, qui lui-même, voilà, des problèmes d'extractivisme, notamment au Pérou, donc qui est très présent sur les problématiques de l'Amérique du Sud et de l'extractivisme. Voilà, et donc nous, on avait évoqué, en juin dernier, cet abominable projet financier et industriel qui est le projet Montagne d'Or, et on avait expliqué le scandale qu'il représentait dans une zone de forêt primaire et que ça allait impacter six peuples premiers que la France ne reconnaît pas, vu que la France n'a jamais ratifié la convention numéro 169 de l'OIT. Et donc par rapport à ça, on en a parlé, mais on était au regret de ne pas avoir des représentants autochtones de la Guyane pour qu'ils nous donnent leurs sentiments. Et moi, aux journées justement du CSIA, j'ai été très impressionné à la fois par le calme de la personne qui s'est exprimée et qui a dit des choses justes et à la fois très horribles. C'est-à-dire que ces gens qu'on ose prétendre citoyens français et qui au niveau des infrastructures, quand ils sont blessés, il faut qu'ils espèrent que la pirogue sera là, qu'il y aura le plein pour le moteur et qu'ensuite ils accéderont peut-être à l'unique hélicoptère qui se trouve en Guyane pour arriver dans une structure hospitalière sous-équipée. Et tout ça, c'est ignoble. C'est-à-dire que moi je suis parfois révolté de voir qu'en France, on s'indigne. Ah oui, ça se passe au Canada. Ah oui, ça se passe en Amérique du Nord. Ah oui, ça se passe en Amérique du Sud. Mais les Français ne sont pas au courant que dans les colonies, parce qu'il faut dire, c'est pas parce que nos technocrates appellent ça des départements et des territoires d'outre-mer que ce ne sont pas des colonies. Dans nos colonies françaises, eh bien, on traite le colonisé et on traite l'autochtone pire que des bêtes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont parqués, ils sont méprisés et on n'investit pas du tout sur simplement les besoins sanitaires et sociaux. Voilà, donc j'arrête, je vous laisse la parole. Donc faut parler assez fort parce que à la fois c'est la sauvegarde par le micro et ça passe directement en direct par le portable. Ouais, bonjour à tous, je suis Vanessa de la jeunesse autochtone de Guyane. Donc je suis venue avec Alan, qui fait partie également de la jeunesse autochtone de Guyane. Gernot. Et Gernot.
Donc il y a également Ivan qui est là, qui est de l'association Trop Violence, donc qui va également parler du projet Montagne d'Or, qui s'y connaît beaucoup, qui va sûrement vous impressionner. Donc voilà. Que peut-on dire par rapport à tout ça? Donc c'est vrai que le samedi dernier, on a eu le séminaire, on va dire ça comme ça, la conférence où on a pu rencontrer nos frères amérindiens de toutes les autres nations. On a pu constater quand même qu'on a les mêmes problématiques. Et c'est vraiment troublant parce qu'en fait, même de la façon dont on parle, on voit que mais la France ne fait pas du tout mieux, elle fait même pire. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais laisser la parole à Alan. Oui, bonsoir. Alan, pareil, ma jeunesse autochtone. Moi, je suis là pour pouvoir représenter tout simplement cette jeunesse qui est florissante là-bas, parce qu'il faut dire que la Guyane, c'est un département où il y a 30% de chômage qui touche les jeunes. La population, elle est telle qu'elle est, cosmopolite. Et aujourd'hui, il se trouve que nous sommes sur une terre d'inégalité complète, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de tout ce qui est tout simplement fondamental. Et c'est pour ça qu'au mois de mars-avril dernier, il y a eu un soulèvement du peuple, tout simplement, peuple guyanais. À ce niveau-là, justement, je ne parle pas du côté amérindien, mais je parle vraiment côté guyanais, où là, les Bushinengués, les Mongs, les communautés chinoises, les Guyanais proprement dit, on dira entre guillemets les créoles, se sont ralliés à une cause qui est tout simplement louable. Et humble, parce que les inégalités sont trop fortes. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui sur la Guyane, elle fait décoller des fusées et dans l'intérieur de la Guyane, ils n'ont même pas accès à une 3G potable, je n'ai même pas encore parlé de Wi-Fi, ni même de fibre optique. Donc tout ça, on l'a dénoncé, on se contente, et des accords sont en voie, et nous, on est là pour faire respecter le tout et faire avancer tout simplement cette Guyane. Alors sur place, tu dis qu'allochtones et autochtones, il y a une convergence des luttes. Complètement. Aujourd'hui, la Guyane, c'est une cause qui touche tous les secteurs. Donc peu importe la couleur des gens et des personnes, on se doit tout simplement de se faire entendre d'une seule voix. Et alors, quand tu penses que 20% de l'électricité produite en Guyane va être consommée par ce projet Montagne d'Or, cette grande mine d'or, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est de l'aberration complète. Parce que justement, il y aura des infrastructures qui devront être conçues pour pouvoir fournir l'électricité à ce projet. Qui paieront tout ça? Ce sont les contribuables guyanais. Est-ce qu'ils veulent ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc c'est un projet contre le peuple? Mais complètement. Moi, je parle en tant que jeune qui sait très bien finir sa vie en Guyane. Et le projet, il sera viable sur quoi? 15 ans. 15 ans dans le meilleur des cas. Après 15 ans, ils ne seront plus là. Qu'est-ce que tu penses des projets d'universités autochtones comme les Guarani Kiowa au niveau de la frontière du Pérou et du Brésil? Ils commencent à s'organiser pour en fin de compte créer des universités sur leurs problématiques et sur leur culture. Est-ce que tu ne penses pas que la France devrait donner des moyens aux allochtones et aux autochtones pour créer leur propre structure d'éducation en Guyane, spécifique à la Guyane? Justement, vous le dites, mais c'est caduque. Aujourd'hui, la France, territoire des droits de l'homme, comment se fait-ce qu'ils n'aient pas pu penser ça dès le départ? Ils auraient dû penser la base même. Et ça, c'est une aberration. Aujourd'hui, on doit se calquer sur les territoires frontaliers pour pouvoir essayer de coïncider, se calquer sur autre chose, alors qu'on aurait dû le faire, on aurait dû être les précurseurs, tout simplement. Mais moi, je dis que c'est une très bonne chose. Et alors actuellement, entre les différents peuples, parce qu'il y a à la fois des Caribés, donc des gens sur le littoral, qui sont beaucoup plus proches donc des ethnies qui vivaient sur les îles, oui, et puis il y a à la fois des peuples de l'intérieur. C'est exactement ça. Aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que la Guyane, elle a 10% toute la population concentrée sur le littoral. La Guyane, ce n'est pas que le littoral. Aujourd'hui, il y a des peuples qui vivent dans l'intérieur.
dans l'intérieur, c'est là où il n'y a pas d'accès de route, pas d'accès de voie aérienne, pas d'accès. Tout, ils sont complètement désenclavés. J'ai entendu que au niveau de ce qu'on appelle souvent les Français, quand on parle de la Guyane, ils pensent courroux, ils pensent les fusées. Mais c'est tout à fait ce qui est complètement absurde. Aujourd'hui, la France, l'Europe se vante ses mérites d'être le premier port spatial international. Oui, mais le CNES a passé un partenariat avec la Fédération de Russie et maintenant il y a des lanceurs russes qui décollent. Et moi j'ai entendu dire que les animaux avaient fui à plus de 300 km parce que ça représente de telles nuisances sonores et au-delà même de telles nuisances et de pollution grave, parce qu'il y a des étages qui sont en fibre de carbone qui retombent dans la forêt. Aujourd'hui nous n'avons même pas des études sur l'impact environnemental proprement dit, mais qui sait, dans 10 ans, dans 15 ans, on viendra apprendre comme nos amis antillais, ils ont utilisé le chlordécone et puis aujourd'hui, c'est pourri. Voilà, tout à fait, on peut le dire telle qu'elle est. On a déplacé des populations pour ça. On a déplacé des populations pour cela. Hein, le CNES, il ne faut pas oublier qu'ils sont sur des milliers d'hectares, comme d'ailleurs c'est prévu pour la Montagne d'Or, et qu'on a exproprié des populations. On a exproprié des personnes, on les a déplacées pour voir bien souvent les mal logés aujourd'hui. Pour un business qui ne rapporte rien à la Guyane. Aujourd'hui, le CNES ne paye pas de taxes, par exemple. Toutes les entreprises françaises payent des taxes. Aujourd'hui, le CNES en Guyane ne paye aucune taxe. Donc, ok, à une époque, ils ont développé la ville spatiale, ils ont donné des emplois à certains, même payé des bourses pour que des jeunes aillent étudier. Mais aujourd'hui, quel est le résultat et le bénéfice? Moyen. Donc c'est pareil, aujourd'hui la Montagne d'Or, le CNES, on aimait dire, on l'a dit l'autre fois à notre meeting, nous n'étions pas là, on ne pouvait rien dire. Donc peut-être que d'autres, nos parents, nos arrière-grands-parents ont lutté pour que ça ne se fasse pas, mais aujourd'hui on est là et on peut dire que c'est pas possible en fait de vouloir détruire ces 32 stades de France apparemment. Le projet Montagne d'Or, 32 stades de France, moi j'ai du mal déjà à voir ce que ça représente. Oui, oui, oui. Donc 32, voilà ce que ça représente, 400 mètres de profondeur, c'est même pas pour dire se limiter aux populations actuelles, ce que ça va avoir comme impact aujourd'hui, mais et l'impact futur. Je ne sais pas si vous avez, et l'impact futur, et je ne sais pas si vous avez vu la note sanitaire de Macron là, pour son déplacement en Guyane aujourd'hui, là, la note sanitaire dit, il conseille, il préfère prévenir les journalistes qui vont se déplacer la semaine prochaine qu'il ne faut pas qu'ils boivent l'eau. L'eau n'est pas potable en Guyane. Donc si l'eau n'est pas, on le remercie, puisque justement, en fait, Montagne d'Or, on n'en veut pas, parce qu'il y a déjà, oui, effectivement, des problèmes avec le mercure, le cyanure et tout ce qu'il y a dans notre eau. Et c'est pas possible, quoi. Et là, effectivement, on s'allie tous pour dire non, toutes les populations, et surtout ceux qui en vivent et qui bénéficient, qui glorifient la Terre. Alors, ce projet Montagne d'Or, comme tu l'as dit, 400 mètres de profondeur, 2,5 km de long, 500 mètres de large, ça va générer 24 millions de tonnes de boue cyanurée. Il est frontalier de la plus grande réserve de biodiversité. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est impensable. C'est impensable parce que 1700 espèces d'arbres différentes en Guyane. Voilà. Oui. Donc c'est pas possible. C'est 90% de la biodiversité de la France. Voilà. De 90% de la France et 50% de la Guyane quand même. Donc si on reste en Guyane, c'est 50% de la biodiversité de la Guyane. Donc derrière, en fait. Surtout quand on a un gouvernement qui nous dit oui, il faut penser biodiversité, il faut penser écologie, il faut penser plein de choses, mais apparemment tout ça c'est pas pour la Guyane. Qu'est-ce qui a été fait par l'État français pour développer la phytothérapie, pour faire en sorte que les Guyanais soient formés, pour valoriser justement la richesse naturelle des territoires? Rien du tout, et c'est tout le débat d'aujourd'hui. C'est rien du tout, c'est tout le débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, aujourd'hui, on ne veut pas se limiter à dire que non à ce projet-là. On veut aussi des solutions. C'est-à-dire qu'on veut aussi que l'économie se développe autour de l'écologie, de la biodiversité, et qu'on fasse la France ne fait rien, mais il y a des fonds. L'Europe, il y a des fonds pour ça. Mais on aurait dit qu'on a privilégié de tuer l'humain, tuer la population, tuer toute l'espèce humaine, au lieu de justement, on va dire,
dire, développé. Mais alors, sous François Hollande, j'ai cru comprendre que on avait, la gendarmerie avait repris à des, je crois, des guerres impérieuses, des gens qui viennent justement d'extérieur de la Guyane et avec du mercure, chercher l'or. On avait repris, je crois, presque 100 kilos d'or. Ces 100 kilos d'or, Hollande avait promis que tout cet argent irait aux associations guyanaises, justement, pour essayer de compenser le mal qui avait été fait par ces gens-là. Et je crois que quand Madame Taubira est venue, l'or est reparti en avion avec Madame Taubira. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Bah, c'est le vol de nos ressources. Après, c'est le vol de nos ressources. C'est du racket. C'est du racket. Parce que c'est quand même, d'état. Il paraît que c'était. Je pense que 100 kilos d'or, je pense qu'il y a plus que ça au niveau des chiffres. 100 kilos d'or, je pense que c'est pas le chiffre exact. Voilà. Et concernant les retombées soi-disant économiques pour la Guyane, soi-disant, ils ont dit que ça sera pour la Guyane une partie. Mais quand vous voyez la chose en ce moment, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de retombées. En gros, ils nous exploitent. Ils font ce qu'ils veulent avec nous. Et voilà, vous les petites Guyanais, vous la fermez tout simplement. Mais là, il faut que ça change là. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Alors, il y a combien de compagnies de CRS qui ont été envoyées en Guyane pour essayer de gérer ce... Peut-être rappeler que 100 kilos d'or, ça représente entre 50 et 60 000, 66 millions, entre 5 et 6 millions d'euros. D'accord. Mais concernant, comme vous dites, les 50 ou 66 millions d'euros, il n'y a même pas un centime qui a été versé à la Guyane. Zéro centime. Donc, voilà. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Ça me débecte quand j'entends tout ça. Ah oui. Et concernant les compagnies de CRS, ben, ils viennent. Ils restent 3 à 2 mois. Après, ils repartent. Mais voilà, des vacances payées aux frais du contribuable. À maltraiter les gens. Voilà. À maltraiter les locaux. Mais concernant même leur mission, est-ce que vous... Et encore, parce qu'on a un gros problème d'insécurité. Donc on aimerait bien qu'ils traitent mal, on va dire en tout cas la délinquance, et qu'ils règlent les problèmes de sécurité, puisque la plupart sont des militaires, ils sont là pour ça. Maintenant, ils sont en vacances. Si vous voulez voir des militaires, vous allez le matin, très tôt, au bord des plages, ils courent. Vous allez très tôt au bord des routes, ça court aussi. Mais en ce qui concerne les quartiers ou bien... dans les communes de l'intérieur. Aujourd'hui, une commune comme Saint-Georges doit se battre contre l'ecstasy, l'héroïne, ce genre de choses. Enfin, non, on ne les voit pas. On ne les voit pas dans les communes. On ne les voit pas, par exemple... On a appris qu'ils sont tellement sur-effectifs, et bien sûr, toutes mes condoléances à Saint-Martin et à ce qui s'est passé, mais ils sont tellement sur-effectifs, qu'il y a quand même une bonne partie qui est partie à Saint-Martin, qui n'est toujours pas revenue. Donc derrière, c'est qu'il y a matière apparemment. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y avait pas à partir à Saint-Martin, mais pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jacques? C'est le seul truc. Donc en fin de compte, c'est une économie à l'africaine. Oui, on prend et on ne donne strictement rien. Ils te laissent le mercure. Oui, dans les rivières. Voilà. Alors, est-ce que tu peux parler justement de la lixivation, c'est-à-dire les conséquences physiques de cette atteinte à la terre et au peuple qui se réclame de la terre? Oui, alors je peux effectivement dire un mot sur les différents projets miniers. Alors actuellement, en Guyane, il y a une exploitation minière aurifère qui date d'un certain... Donc il y en a une qui est plus ou moins illégale, avec ce que tu appelais les garimpelos, qui viennent du Brésil, mais aussi des gens du Suriname et de tous les pays autour. Donc, de toute façon, jusqu'à maintenant, la seule exploitation qui était pratiquée dans le pays, c'est ce qu'on appelle l'or alluvionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui ont vu des films sur la ruée vers l'or dans Californie, on les voit avec leur bâtés et tout ça. Voilà. Bon, c'est le principe de la bâtée, mais mécanisée. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on secoue ça sur des tapis... et on récupère des particules d'or, des paillettes, qui sont quand même d'une dimension qui est millimétrique. D'accord. Mais là, montagne d'or, c'est pas ça. Et donc, mais montagne d'or contient une partie de ce projet-là, parce qu'il y a aussi, dans la phase montagne d'or, il y a aussi une exploitation alluvionnaire. D'accord. Qui est prévue. Donc là,
pour fixer l'or, pour l'agglomérer et pouvoir récupérer l'or, on est obligé d'utiliser des agglomérants. Et le principal agglomérant, c'est le mercure, qui ensuite, avec la fusion et la raffination, se termine la plupart du temps dans la nature. En vapeur, qui passe pas dans la chaîne alimentaire. Ou de toute façon, par le processus, il termine dans l'environnement, et généralement dans les rivières et tout ça, il contamine tout. Et comme il est bio, il est bioaccumulable. Il s'accumule dans les tissus des poissons. On l'a vu et à Minamata au Japon. C'est le cas de Minamata au Japon, par exemple. Donc des malformations, beaucoup de fausses couches, des malformations. De tout, et des problèmes neurologiques. Grave. Parce que le mercure est un neurotoxique très grave. Donc des problèmes de paralysie, des problèmes de gens qui ne vont pas pouvoir marcher, etc. Enfin bon, c'est. Mais l'attitude de la France en Guyane, c'est vraiment l'attitude d'un pays colonial dans une colonie. D'accord. C'est-à-dire que nous en France, en métropole, on entend parler que de Kourou, des lancements d'Ariane et le reste n'existe pas. Oui, la Guyane, c'est une fusée pour le français. Exactement. D'ailleurs, les choses se sont débloquées en Guyane quand ils ont décidé de bloquer le site de lancement. Voilà, et c'est ce qu'il faudrait peut-être faire pour. On touche au nerf de la guerre et au sacré. On touche au Grisby. Ouais, on touche au Grisby. Pour le reste, la Guyane n'existe pas. Elle est livrée à elle-même. Et suite à ça, c'est représailles aujourd'hui. Ouais. Donc il y a quand même des salariés de l'entreprise. Il y a quand même des salariés d'une entreprise sous-traitante, donc Endel pour ne pas la citer. Endel, donc qui a participé à ce barrage, qui nous ont vraiment aidés. Tout à fait. Ben aujourd'hui, si vous voulez, cette société Endel en Guyane est amenée à ne plus exister l'année prochaine parce qu'elle a perdu tous ses contrats, 5 d'un coup, non renouvelés parce qu'effectivement ils ont eu la malchance d'être en plein appel d'offres, en plein mouvement. Donc ils ont déposé leur dossier en décembre 2016 et du coup la décision devait tomber en mars 2017. Et en mars 2017, ben, ils apprennent qu'ils sont sortis sur leurs 5 contrats parce qu'ils ont participé au mouvement. Donc, et là, tous les salariés potentiellement du CNES se sont d'accord pour dire que, bon, en même temps, faut pas se plaindre, faut assumer. Ils ont participé à un mouvement, c'est les risques. Alors, est-ce qu'alloctones et autochtones ont conscience que la solution, ce serait l'autonomie, ce serait que le territoire soit géré par les gens qu'ils connaissent et simplement les gens qui lui appartiennent, plutôt que par des gens qui viennent de la métropole, des bureaucrates qui viennent dire voilà, on va faire ça, on va faire ça, et qui n'ont aucune conscience des réalités de terrain. Aujourd'hui, ce qui est demandé, en tout cas en majorité, c'est effectivement l'autonomie, mais surtout en fait une adaptation des règles. Parce que bien plus qu'un problème de personnes, aujourd'hui, on a des choses comme l'octroi de mer en Guyane. On a des choses comme les 40% de vie plus chère, c'est sympa, c'est cool, mais c'est un système colonial en fait. C'est des règles d'avant. Après, spécifiquement à la Guyane, on a un gros problème d'immigration. On n'a rien contre personne, mais il paraît que parce que nos frontières sont des fleuves, donc c'est ingérable. Donc du coup, il va quand même falloir y réfléchir à comment on va régler ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 6000 personnes dans la nature, dans les environs de Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple. Donc 6000, c'est aujourd'hui, par exemple, une démographie qu'on ne peut même pas calculer, puisque derrière, je ne sais plus combien, c'était 5000 personnes sur le Mont Baduel, enfin sur les squats, qui sont un peu partout en Guyane et où du coup on construit un peu illégalement un peu partout. Ça représente pour un squat 5000 personnes. Donc imaginez, il y en a au moins 4 ou 5 de ressources. Donc c'est une adaptation des règles. C'est une prise en compte des spécificités. Donc une prise en compte, par exemple, la Guyane n'a pas le droit de commercer avec le Suriname, n'a pas le droit de commercer avec le Brésil. Il faut exporter en France puisqu'il faut faire vivre le PIB français. Donc plus près de chez nous, c'est le Suriname, plus près de chez nous, c'est le Brésil. Effectivement, ils ne respectent pas les normes européennes. Donc aujourd'hui, mais il suffirait qu'ils se mettent aux normes ou il suffirait que nos normes à nous soient adaptées parce que je ne crois pas qu'on meure au Suriname de ce qu'on consomme. Je ne crois pas non plus qu'on meure au Suriname de voilà. Donc vous êtes infantilisé, vous êtes comme une population. Ah oui, tout à fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une infantilisation totale
de l'allochtone ou de l'autochtone, c'est-à-dire qu'on dispose de vous, de vos vies, de vos territoires, et vous devez vous taire. Il faut se taire. Et il faut se taire. Alors là, Pierre, tu voulais intervenir par rapport à ça. Donc je vous présente Pierre Merechkovski. Juste une petite remarque. Bien sûr, c'est très intéressant et je suis solidaire de dire que la Guyane est infantilisée, que c'est un problème de gestion. Mais est-ce que le problème, est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait une gestion coloniale? Bien sûr, je ne suis pas pour. Mais la question, est-ce que ça serait bien de remplacer la gestion coloniale par une gestion autonome? Moi, je pense que ce serait bien qu'il n'y ait plus de gestion du tout. C'est-à-dire, on ne gère plus rien, ni jamais les territoires. Voilà. C'est vrai que, c'est ce que disait, il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. Et moi, récemment, j'entendais une responsable, une députée Europe Écologie Les Verts, qui disait que Macron était inutile. Et moi, je lui ai répondu, madame, j'aimerais que Macron soit inutile, mais j'estime qu'il est nuisible. Et donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, effectivement, il vaut mieux pas de gestion du tout, qu'une gestion nuisible ou qu'une gestion du pillage. Parce que actuellement, la gestion des colonies françaises, donc qui s'appelle département. C'est exactement ce que je dis. Oui, je sais. Il faut arrêter de gérer, on ne gère plus. Voilà. On ne gère plus et en ne gérant plus apparaîtra quelque chose. Oui, mais c'est la gestion qui en soi est coupable. Ce n'est pas la gestion coloniale ou la gestion autonome. À mon sens, c'est la gestion. En sens, il faut arrêter de gérer. Il n'y a rien à gérer. Je pense qu'on entend par gestion. Voilà. Exactement. Moi, là-dessus, je n'aiderai pas. Je me permets d'attirer sur votre compte que le coupable, c'est la gestion. Et le gestionnaire. Exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut mettre en place. À chaque fois, il vient toujours amener le raisonnement par l'absurde, mais qui amène à se poser les vraies questions. Parce que antérieurement, la Guyane avait une gestion. Mais c'était plusieurs gestions autonomes parce que chaque peuple de Guyane s'autogérait. Et nous, on a ramené notre esprit gallo-romain, hein, surtout romain, je dirais, avec une espèce de hiérarchie rigide où la vérité vient d'en haut, alors que chez les peuples autochtones, c'est souvent elle percole du bas. Et comme je dirais dans un film qui a été fait d'Avoir et Vierge, à un moment, un Américain dit au chef de la tribu, tu dois dire à mon fils de rentrer. Et le chef lui répond, si je commence à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, combien de temps crois-tu que je vais rester chef? Alors est-ce que c'est pas laisser la part à cet esprit de la gestion par la base, qui serait plutôt une autogestion? Donc dans le cadre de ce que les gens, les bureaucrates pensent, donc une absence de gestion, parce qu'ils ont tendance à mépriser l'autogestion parce qu'ils croient que c'est une absence de gestion, est-ce qu'il ne faut pas en fin de compte se soustraire à la gestion nuisible exogène pour revenir à des pratiques qui existaient, donc qui ne sont même pas à recréer, qui sont à retrouver? C'est très délicat. En fait, après ça, c'est très personnel hein, ce que je vais dire. Mais la Guyane est pluriethnique. Ça veut dire qu'au départ, la Guyane était amérindienne. Donc, il n'y avait que. Ensuite, les colons sont arrivés et ils ont ramené des esclaves. Donc, du coup, il y avait trois peuples. Aujourd'hui, il y a plein de peuples. Et je pense qu'en fait, c'est aussi une manigance de leur part. D'avoir fait en sorte que la Guyane soit pluriethnique, justement, parce qu'aujourd'hui, le peuple premier est minoritaire. Il n'y en a plus autant sur l'ensemble du département. Maintenant, je vais dire que chaque peuple, en fait, n'a pas le même avis sur la question. Pour qu'un État devienne souverain, pour qu'il puisse s'autogérer, il faudrait que tout le monde pense de la même façon. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit possible. Alors qu'est-ce que tu penses pour la Guyane de l'ignoble politique? Moi, je sais, je suis un petit blanc de la métropole. Si je décide de venir en Guyane, on va m'octroyer les terres et me donner de l'argent. C'est-à-dire que si moi, tout à coup, je suis pris de me dire, moi, Roger Nimot, je suis un blanc, donc, tout naturellement, je suis supérieur à tous ces peuples autochtones. Si je vais en Guyane, l'État français me donnera de l'argent et des terres, comme si ces terres n'appartenaient à personne et n'appartenaient qu'à l'État français. Et donc, pourquoi est-ce que... C'est pas comme si, hein. Oui. C'est pas comme si elles appartiennent à l'État. Ah, oui. Le pire, c'est ça, c'est oui. Qu'aujourd'hui, 90% du domaine terrien est bien à l'État. Et on doit quémander, on doit pleurer
pour avoir des terres, nous, Guyanais. Alors qu'est-ce que tu penses du fait que le petit Français de métropole, lui, il serait subventionné, on lui filerait de la terre? C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. C'est pire que de l'injustice. C'est ignoble, mais c'est surtout c'est de l'injustice. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais est-ce qu'il ne faut pas... On est en République, c'est l'égalité des droits. Donc tu es française. Tu es française. Tu es français. Tu es français. Donc est-ce que tu ne dois pas réclamer cet argent et ces terres qu'on donne aux Français? Parce que tu dis, pourquoi est-ce que toi, autochtone, tu coloniserais pas ta terre de Guyane? Donc il te faut des milliers d'euros et quelques hectares. Sinon, comment est-ce que tu vas faire? Donc moi, je lance un appel à Monsieur Macron. Monsieur Macron, la République est en marche. Donc la République, c'est les mêmes droits pour tous. J'ai ici 4 Français avec moi. Et ils n'ont pas les mêmes droits que moi, petit con de blanc de la métropole. Pourquoi est-ce que vous leur... Moi, je revendique que je suis un petit con de blanc de la métropole. Donc, moi, petit con de blanc de la métropole, si je vais en Guyane, on va me filer des hectares et du fric. Pourquoi ces 4 Français, on ne va pas leur donner la même chose s'il y a égalité des droits? Alors ça, c'est une vraie question qu'il faut poser au Conseil d'État, qu'il faut poser au Sénat, qu'il faut poser à l'Assemblée nationale, qu'il faut poser aux députés insoumis. Voilà, il faut leur demander, qu'est-ce que vous allez faire pour que la France ratifie enfin la convention 169 de l'OIT, donc pour qu'il y ait reconnaissance de ces 6 peuples autochtones, mais ces 6 peuples restants. Ces 6 peuples restants, parce qu'il ne faut pas oublier que la France a massacré la majorité des peuples autochtones en Guyane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un reliquat. Et en fin de compte, cette biodiversité qui va être massacrée par Montagne d'Or aussi, elle est déjà un reliquat. Parce que même si elle est extraordinaire, même si elle représente plus de 90% de la biodiversité, même de toute l'Europe, même du monde, parce qu'on le sait, 9 choses sur 10 que l'on va manger dans les 50 ans qui viennent viendront de ces forêts primaires d'Amazonie. On le sait, tous les scientifiques le disent. Pour les médicaments et aussi pour la nourriture. Regarde, en Europe, l'Europe a survécu aujourd'hui grâce à la pomme de terre. La pomme de terre, tu connais bien le Pérou. Les milliers de variétés de pommes de terre viennent du Pérou. Les tomates, c'est l'Amérique du Sud. Donc ce que mange le petit Européen, le petit colon, ça lui vient de ce monde dit nouveau qui est en fin de compte un monde très, très ancien. La donne de Fondivision. Oui. mais alors qu'est-ce que tu penses, toi, de cette disparité de droit entre un Français de métropole et un Français qui soit martiniquais, qui soit guyanais, ou qui habite, comme on dit, sur le Caillou, en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, il faudrait vérifier les textes pour bien vérifier s'il y a effectivement disparité de droit, ce qui serait une violation complète du droit constitutionnel français. Oui. Puisque la Constitution garantit l'égalité de tous les citoyens à l'intérieur de l'espace républicain français. Voilà. Donc il faut... Et les pratiques qui révéleraient une différence de traitement en fonction de l'origine ethnique ou géographique des personnes... Sont illégales et sont anticonstitutionnelles par définition. Exactement. Donc déjà, il faudrait vérifier, effectivement, faire des expériences comme tu proposes, aller voir des experts. Il faut voir des experts en droit international, voilà. Tout simplement. Pas en droit, ça, c'est du droit franco-français, c'est du droit constitutionnel. La Constitution française donne l'égalité de tous les citoyens français, quels qu'ils soient. Je crois que dans la nuit, ils vont supprimer les avantages de la loctone. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Donc, déjà, si ça se pratique, c'est une pratique qui n'est pas admissible. Et puis même, au-delà de la Constitution, c'est inadmissible. Moi, quand j'ai entendu qu'il y avait un hôpital, qu'il y avait un hélicoptère sanitaire pour l'ensemble de la... Il y a 3 hôpitaux. Non, mais un hélicoptère sanitaire pour l'ensemble... Il y a 3 hôpitaux et les mouvements sociaux qu'il y a eu au mois de mars... Mais 3, mais c'est ridicule. Ont démontré qu'il y avait un énorme problème dans la qualité des soins et dans les moyens dont disposaient ces hôpitaux. Il faut des dispensaires de santé, mais par rapport à un maillage du territoire, c'est-à-dire c'est aberrant, c'est-à-dire que quand tu vois les distances et le territoire guyanais, il faut un maillage, il faut un médecin
tant par nombre d'hectares pour que les gens, et puis il faut aussi des voies de communication. La fibre, elle en parlait tout à l'heure, mais effectivement, ces territoires, la fibre optique, elle représenterait réellement pour tous les peuples allochtones et autochtones un vrai progrès, parce que ça permettrait de manière non polluante de communiquer à grande distance, et plutôt que d'envoyer des fusées, on le sait très bien, en cas de guerre nucléaire, les satellites, on ne pourra plus les changer, donc ils vont se casser la figure, parce que l'atmosphère, elle grimpe beaucoup plus haut que ce que l'on croit, hein. Il y a même de l'atmosphère terrestre presque jusqu'à la Lune, et donc il y a des frottements, ce qui fait qu'un satellite, de toute manière, il finit par retomber. Même les géostationnaires finiront un jour par retomber. Donc la fibre, c'est le moyen de communiquer à grande distance, et c'est un moyen pérenne. Voilà. Et donc, moi je pense qu'il faudrait réellement, avant toute chose, qu'on laisse aux gens qui connaissent les territoires le soin de s'occuper des territoires. Ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire le jacobinisme français qu'on retrouve aussi au niveau de l'Union européenne, parce qu'il faut bien voir que quand ça arrange l'Union européenne, un territoire est sorti de l'Union européenne, ce qui s'est passé pour le Groenland. Le Groenland a beaucoup de richesses, mais on sait très bien que le jour où on va vouloir exploiter le pétrole et le gaz du Groenland, eh bien, s'il reste territoire de l'Union européenne, eh bien, les conventions au niveau de l'écologie seront applicables, et dans ce cas-là, on ne pourra pas l'exploiter. Et aujourd'hui, la Guyane, j'ai l'impression qu'on fait la même chose, mais en étant dans l'illégalité. C'est-à-dire, on se dit, on va exploiter, mais tout ça essaye de se servir d'un flou et d'un vide juridique. Et est-ce que c'est pas au niveau juridique que vous devez porter le combat pour dire, attendez, rendez-nous, comme disait Diogène, un de ses amis très riches, alors qu'il vivait dans un tonneau, un jour il lui a tendu la main et puis il lui a dit rends-moi un peu de tout ce que tu m'as volé. Est-ce que c'est pas le message que devraient avoir les Martiniquais, les Guyanais, dire à l'État français, rends-nous un peu de tout ce que tu nous as volé. C'est un peu ce qui est dit, c'est un peu ce qui a été dit en fait mars-avril, parce qu'on nous a reproché de vouloir chiffrer les mesures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on demandait des écoles, on demandait des établissements de santé dignes de ce nom, on demandait tout un tas de choses, et puis ça a fini par faire en fait 2 milliards, 4 milliards. 2 milliards dans le premier instant et 4 milliards en deuxième instance. Oui, rien du tout. Rien Est-ce du que tout. Tu sais combien coûtent les 300 facteurs de paix thermonucléaires terroristes français tous les ans? 5 milliards. Ouais, non, mais... Tous les ans, la France dépense dans quelque chose, mais de terroristes, de nuisibles. Oui, 5 milliards pour entretenir 300 bombes thermonucléaires. Je crois qu'il y a la plus grande route de France qui est à La Réunion, donc là où vivait notre ancienne ministre, a coûté 3 milliards, je crois. Oui, parce qu'ils la font sur la mer. Voilà, tout à fait. Exactement. 3 milliards. Donc, qui n'existait pas. Voilà, oui, voilà, ils détruisent l'environnement, voilà. Ils détruisent la côte, ils la font au-dessus de la mer. Oui. Donc là, nous, pour effectivement des hôpitaux, pour effectivement... Des hélicoptères. Des hélicoptères. Non, mais s'ils nous mettent des routes, on n'aurait pas besoin d'hélicoptères. Et puis, oui, mais, et puis si on avait des hôpitaux... Voilà, voilà, à l'intérieur, il n'y aurait pas besoin. Bah, toujours, si, voilà. pour les grosses opérations oui, chirurgicales, aussi, il y aura toujours un rôle. Aussi, bien sûr. Mais quand vous vous rendez compte que, par exemple, là, en septembre, on a appris qu'il y a eu, en fait, un problème de transition entre les médecins. En fait, il y a un médecin pour Marie Passoula. Il n'a pas été remplacé. Et il n'a pas été remplacé. Donc, du coup, ils sont restés... ne serait-ce que 15 jours sans médecin. C'est pas possible. Et tu sais qu'ici en métropole, avec le lévothyrox, c'est-à-dire que pour les gens qui sont atteints de la thyroïde à cause des conséquences, notamment de l'industrie nucléaire, on a décidé de passer à des médicaments génériques avec une autre formulation, et ce qui fait que les pharmacies se retrouvent en rupture de stock avec, je crois, deux boîtes de lévothyrox par pharmacie qui vient d'Allemagne, dont on est obligé de changer le mode d'emploi pour le remettre en français. Donc, en fin de compte, cette gestion bureaucratique sans centralisée, à chaque fois, elle produit des aberrations. C'est-à-dire que le Che, je crois que ce qu'il a tué, c'est pas sa lutte en Bolivie. Ce qu'il a tué, c'est un discours qu'il a fait en Russie. Il avait été invité et il a été à la tribune et il a dit « Notre ennemi, ce n'est pas le capitalisme, c'est la bureaucratie ». Et j'ai entendu dire qu'il y avait eu un très très grand silence dans la salle à ce moment-là et que tout le monde avait compris que le Che avait mis le doigt où il s'avérait qu'était un problème profondément fondamental. Alors qu'est-ce qu'il en est, vous,
à travers les mouvements sociaux allochtones et autochtones, comment est-ce qu'ils se structurent? Est-ce qu'ils se structurent de manière pyramidale comme en métropole, ou est-ce que ce sont des structures beaucoup plus horizontales où les gens ont la parole? Parce que si on met en place des nouvelles structures, il ne faut pas qu'elles reproduisent les anciennes. Mais quelles nouvelles? Quelles nouvelles déjà? Déjà, quelles nouvelles? Parce que c'est pas parce qu'on a fait un mouvement en mars-avril que déjà tout de suite on a des solutions. Hein. Donc je vais vous rassurer tout de suite. Ils ont signé un bout de papier, la bureaucratie en question a signé un bout de papier, un accord de Guyane dont on attend encore les effets et dont on attend encore les solutions. Parce que derrière, ça ne reste qu'un bout de papier. Donc, on nous a fait des promesses. Voilà, c'est des promesses. Voilà, en fait, c'est des promesses qu'ils nous ont fait, mais des promesses électorales. Voilà, où on ne verra jamais ces promesses aboutir. Voilà, en gros, on demande quelque chose, mais je pense pas qu'ils vont nous le donner. Mais alors, en métropole, on dit souvent les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Est-ce qu'il ne faut pas, par rapport aux promesses comme par rapport aux traités, dire voilà, nous, on ne vous a pas demandé des promesses? On vous a demandé des écoles, on vous a demandé des hôpitaux. Est-ce qu'il ne va pas falloir trouver un moyen de durcir le ton? Parce que moi, je sais qu'ici, en France, les médias ont été obligés de parler de ce qui se passait en Guyane parce que c'était suffisamment grave pour que ça percole autrement que par les médias de masse. Mais on nous en a dit le strict minimum. Bien sûr. Voilà. Le strict minimum. Chacun Ils sait. Ils ont bloqué le centre spatial. Oui, oui. Voilà. Non, mais tu as raison. Ariane a été retardée à cause de manifestants qui bloquaient la route d'accès au centre spatial. Mais en fin de compte, ce sont des gens qui sont contre le progrès, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des espèces de sauvages qui sont contre le progrès. Mais est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de dire, mais attention, nous, on veut imaginer notre progrès. Est-ce qu'il n'y a pas là, parce que nous, on a un peu le même problème actuellement en métropole, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent imposer leur idée du progrès. Comme si le progrès, c'était d'avoir des voitures qui vont plus vite, des avions qui vont plus haut et plus loin. Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Il y a des gens comme Grothendieck, il y avait d'autres personnes, des mathématiciens, des scientifiques, ils l'ont dit. C'est impossible. Un monde avec une croissance, un monde industriel avec une croissance que de 2% épuise en quelques siècles l'ensemble des ressources. Donc les sociétés vont s'effondrer, parce que quand on n'a plus de ressources en énergie, en nourriture, c'est fini, ça s'arrête. Donc les sociétés pérennes, celles qui ont eu des millénaires d'existence, parce que les autochtones de Guyane, ils sont là depuis des millénaires, ils n'ont pas détruit la forêt, ils ont réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors cette pérennité, justement, cette résilience que vous avez et que nous n'avons pas, comment est-ce que vous pouvez la réimposer? Quel est, à ton avis, les moyens de rappeler à la raison les peuples derniers que nous sommes, qui pillent le monde, pour leur dire, attention les gars, non seulement vous nous tuez, mais vous êtes en train de vous flinguer? Ouais, c'est tout, c'est exactement ça. La Guyane avec sa forme à couper, vous le savez très bien, on ne vous apprend rien du tout. Vous venez de le souligner, tout ce qui en sort, en découle des forêts primaires, c'est ce qui véhiculera le futur pour les Européens. Donc nous, nous savons maîtriser le côté arboricole, le côté faune, flore, la nature en elle-même. Nous sommes sur le terrain et nous sommes les mieux placés pour pouvoir dire, ben, écoutez, ce que vous faites, c'est complètement une grosse bêtise et une aberration. Alors moi, je lance un appel à Annie Bomoni, qui est une directrice de recherche honoraire de l'INSERM et qui s'occupe justement de toutes les conséquences des nuisances industrielles, à la fois pour les travailleurs et aussi pour les riverains, parce qu'en ce moment, elle lutte par rapport à une mine qui va se réouvrir près des Pyrénées, dans la vallée de Couflans. C'est une mine de tungstène, mais qui contient deux variétés d'amiante. Et on le sait très bien, ces variétés d'amiante, à la fois quand la mine va être à nouveau en exploitation, parce que c'est en cours, il y a la préfète de l'Isère et le gouvernement qui pèse de tout son poids pour la réouverture de cette mine, eh bien ça va être une catastrophe sanitaire à la fois pour les populations locales et les travailleurs. Là, vous avez le projet Montagne d'Or, qui va être une catastrophe totale, non seulement pour les allochtones, les autochtones, mais aussi pour tout l'environnement. Ouais, on a des exemples. Parce que oui, non, mais c'est surtout ça. Voilà, mais est-ce que on ne doit pas s'appuyer sur des scientifiques de métropole et leur dire attention les gars, appuyez grandement
le mouvement guyanais, parce que au-delà des populations allotones et autochtones, il s'agit de notre avenir à tous. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas aujourd'hui dire à M. Hulot, il faut peut-être mettre votre démission dans la balance là, parce qu'on en a marre qu'un présentateur télé se présente comme une référence en écologie. Alors, justement, M. Hulot, comment vous dire? Aujourd'hui, on va dire l'organisation, ce qu'on s'est organisé pour lutter contre ce projet Montagne d'Or, est symbolisé, on va dire, par le collectif Hors de Question. Donc le collectif Hors de Question, aujourd'hui, regroupe 110 organisations, dont 20 locales, mais tout le reste, toutes les autres ne sont pas locales, en fait. Dans ces 110 organisations, nous avons, normalement, le grand silencieux du moment, la fondation de Nicolas Hulot, d'accord ? Donc après, effectivement... ce qu'on demande à ce monsieur, c'est un peu de cohérence, un petit peu de... Bon, voilà, parce que par exemple... Il paraît qu'il est contre les énergies autour du pétrole et pourtant, il donne une autorisation d'exploiter le pétrole en Guyane. Donc, on ne peut pas dire qu'il brille par sa cohérence. Oui, mais il a re-signé. Voilà, tout à fait. Donc, du coup... on s'organise et dans ces 110 organisations, je vous disais, il y a un peu de tout, dont l'ONU, dont plein d'organisations qui travaillent sur l'aspect juridique, qui travaillent sur l'aspect, scientifique de la chose. Et on va essayer de peser de tout notre poids et on va tout faire pour peser de tout notre poids, tout en sachant que quand même Macron est quand même venu en 2014, hein, sur cette mine, Montagne d'Or, pour l'ouvrir et pour dire que c'était un grand projet d'envergure. Donc on sait très bien que là aujourd'hui, l'un des monstres contre lesquels on doit se battre, c'est le président de la République. Oui, mais il était, c'est pas le ministre des Finances en 2015, voilà. Emmanuel Macron, oui. Qui a mis sur les rails ce projet Montagne d'Or. Ça, faut pas l'oublier non plus. Oui, voilà, c'est ça ce que je dis. Donc aujourd'hui, et qui est président, en fait, voilà. Aujourd'hui de la République. Mais est-ce qu'il ne faut pas se méfier? Parce que moi je sais que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas un problème d'homme, c'est un problème de constitution, de fonctionnement, parce que les hommes sont interchangeables et le problème ne changera pas si on change les gens. Parce que par exemple pour Monsieur Hulot, moi j'ai bien vu, il y a Madame Corinne Lepage qui attend au portillon en lâchant de temps en temps quelque chose de bien vénineux sur Hulot pour prendre la place derrière, parce qu'elle se dit je ferai beaucoup mieux que lui. Voilà. Et ils vont changer les hommes et ça sera toujours le même problème. Voilà. Donc et vous réclamez l'abandon complet du projet. Et pas que ce projet-là. D'accord. En fait, il y a une vraie question de se poser. Il faut qu'on se pose la question de. C'est pas aujourd'hui, là, je crois, dans ces derniers temps, on a appris qu'il y avait une autre exploitation qui était en cours de renouvellement d'autorisation. Oui. Donc, il y en a plein. La Guyane est pourrie de projets miniers. Et aujourd'hui, on se bat contre Montagne d'Or parce que c'est énorme. Et là, les dégâts seront monstrueux. Mais est-ce qu'on veut vivre, nous, d'une exploitation de l'or? C'est la question que les Guyanais doivent se poser. Alors c'est pour ça que moi je disais, il faut peut-être interpeller pour dire les richesses de la Guyane, ce sont les plantes, la biodiversité, et donc il faut imposer des formations aux autochtones et aux allochtones de Guyane. Donc déjà il faut supprimer tous les avantages du petit blanc qui veut aller jouer les colons dans ses colonies. Donc pas question de filer des hectares à un mec qui vient de et du fric, alors que sur place vous manquez tout, quoi. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc créer des emplois durable et pérenne en Guyane sur les vraies richesses de la Guyane. La première égalité, c'est l'équité. Tout à fait. Et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc derrière, nous donner les moyens. Il y a mon ami Pierre Merechkowski qui a fait plus que grimacer quand j'ai parlé d'emploi pérenne. Il faut quand même que tu donnes ton autographe. Non, mais c'est tout. Je n'ai rien contre vous, mais créer des emplois. Non. C'est-à-dire transformer la Guyane en usine, quoi. C'est vraiment non, difficile. Surtout pas. Non. Avec un contremaître, un sous-chef. Et puis vous parlez d'hôpitaux, donc ça veut dire qu'il faut mettre en prison mètre carré. Donc c'est très décrit. Bon, pas c'est bon espoir. L'emploi, c'est le premier argument. Oui. Je voulais quand même revenir sur ce projet Montagne d'Or, parce que il faut dire que on peut avoir des avis scientifiques autorisés sur le sujet. Certainement que les compagnies minières qui l'ont lancé et le gouvernement vont mentir sur les impacts de ce type de projet et vont développer toute une litanie
toutes sortes toute une litanie sur les promesses de développement, sur l'argent que ça va rapporter, sur les impôts, sur l'emploi, etc. Donc une mine à ciel ouvert. Nous, on a des expériences. Moi, je travaille sur le Pérou depuis 5 ans sur ces sujets-là, et des mines à ciel ouvert, des mines aurifères à ciel ouvert, les mêmes, avec les mêmes technologies que celles qui vont être utilisées dans le cadre de Montagne d'Or. On en a 3-4, et notamment les fameuses Yanacocha, les projets Conga et autres au Pérou, sur lesquels on a travaillé 5 ans. Donc on sait exactement ce qui se passe, on a des exemples, et on sait exactement quelles sont les conséquences pour l'environnement et les populations, et sur l'emploi. Parce que effectivement, ça va créer des emplois au moment de la construction, parce qu'il va falloir la construire, la mine. Il va falloir construire le barrage, la source d'énergie pour l'alimenter. Parce que ces mines-là bouffent des millions de kilowattheures. Et puis des bassins de rétention. Voilà. Des bassins de rétention, les bâtiments pour les centres de raffination. Pendant un an ou deux, il y aura effectivement un énorme emploi dans le domaine du génie civil. Et après, ça tourne tout seul. Une immense décharge. Il y a 400 personnes pour faire fonctionner une mine comme ça, qui va produire à peu près, je crois que c'est 500 000 onces d'or par an. Je ne sais plus quels sont les chiffres produits. Mais ça, c'est aussi combien de millions de tonnes de cyanure de sodium par an? Combien de millions de tonnes? Parce que je ne connais pas exactement les grammages, mais je crois qu'on est autour. Pour chaque once d'or, nous, c'est 31 grammes. Oui, oui. Pour chaque once d'or produite, ça va être 30 tonnes à 50 tonnes de roche. De terre, de roche, réduite en poudre. Réduite en poudre. Et on le sait très bien, en plus la forêt vierge, il y a une très faible épaisseur de terre, et tout le reste c'est de la roche. C'est le constitutif du bouclier guyanais qui va être attaqué pour faire ce trou, réduit en poudre. Et ensuite on va passer ça en lixiviation, au cyanure de sodium, dans des piles de lixiviation, pour récolter l'or et ensuite tout le processus de raffinage. Et quand c'est fini, cette poudre-là, on la met dans des zones de résidus, derrière des digues, et des accidents de digues il y en a sans arrêt. La pluviométrie avec les pluies, ces digues vont percoler dans le sol et vont, par drainage acide, contaminer toutes les rivières le drainage acide et par les métaux lourds qu'elles transportent. C'est-à-dire qu'on va les trouver dans toute l'eau dans la région. Ils ont promis de tout remettre pareil, de replanter des arbres, mais c'est le retour à l'herbe en Amérique latine. C'est le continent qui a la plus grande expérience en matière de mines à ciel ouvert, mais même quand c'est des mines en caverne. La seule différence, le processus derrière est le même, sauf que le procédé d'extraction, l'utiliser d'énormes camions. Comme c'est un trou, c'est une question de profondeur du gisement. Si le gisement est affleurant, on va faire ce qu'on appelle un open pit. Si le gisement est en profondeur, on va creuser un trou et faire une caverne. Et on va utiliser des trains de mine. Mais dans les deux cas, le traitement chimique derrière est le même. Et la contamination à terme est la même. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que ces mines-là. Ça ne créera pas de richesse pour les Guyanais. Déjà, il y a des dizaines de concessions qui existent en mine alluvionnaire. On trouve sur le territoire guyanais des sociétés comme Newmont qui ont des passifs environnementaux dans le monde entier, particulièrement en Amérique latine, des violations des droits de l'homme, des faits de contamination épouvantables, des catastrophes sanitaires en Indonésie, au Pérou, un peu partout. Et qu'on retrouve en Guyane. Ces sociétés-là ne sont pas crédibles. Il faut que les gens soient informés et ne tombent pas dans le piège des promesses d'emploi, des promesses qu'on va leur faire. Parce qu'on va leur faire des promesses, on va leur offrir des petits cadeaux. Ils ne se fatiguent même pas. On va vous dire, c'est l'une d'ailleurs des raisons pour lesquelles on peut aisément dire non. C'est qu'ils ne fatiguent même pas. Aujourd'hui, c'est à vous dire combien, à quel point on ne respecte pas les Guyanais, on ne respecte pas la Guyane, on ne respecte personne en fait là-bas. Ils promettent 2%, 2%,
2% en fait de bénéfices au niveau de, on va dire, mais de, c'est vous qui allez conserver voilà, tout le cyanure, oui, oui. Non, mais toute même, la contamination, même pire, toutes les destructions ambientales, toutes les terres perdues. Au pire, économiquement parlant, au pire, eux, 98%, nous, 2%. Vous voyez, je ne parle même pas d'environnement, je parle économiquement parlant, 2% pour les Guyanais, 98% pour eux. Donc c'est une insulte, d'accord. Donc je ne veux même pas, le débat reste économique, ça ne tient pas la route. 2%, voilà. Mais ils ne nous donneront jamais. Ils ne nous donneront jamais. Mais même ils nous donneraient 100%. C'est-à-dire, ce que tu m'as dit, mais ça ne pas. Ça serait un coup. Mais en plus, le pire, ça serait pire. Mais en tout cas, là, ils ne le font même pas. Ils ne le font pas. Après, au niveau des emplois, les promesses. Les promesses, 750 emplois. C'est rien. 750 emplois. Le taux de chômage, le taux de chômage. Oui, 750 emplois à la fois. Voilà. Mais en exploitation, il n'y aura pas 750. Voilà, mais il n'y aura même pas 750 emplois. Quelle est la population autochtone et allochtone de Guyane actuellement? Elle est évaluée à combien? En nombre, ça fait à peu près 250 000 personnes recensées, tout en sachant qu'il y en a le double. Alors, mettons 500 000. Si je dis 500 000, 1000 euros par mois. Ça fait bien 500 millions d'euros. Oui. 500 millions d'euros par 12 mois. Ça veut bien faire 5 milliards et quelques d'euros. Oui. Est-ce que la France ne peut pas, pendant 10 ans, payer à tous les Guyanais un salaire de 1000 euros mensuels en leur disant « vous allez mettre en place votre économie à la seule condition, c'est qu'elle soit renouvelable ». Mais ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Et c'est là où Oui, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que justement, vous savez que chaque emploi, dans les 750 emplois, chaque emploi est subventionné par l'État. D'accord ? L'État paye cette entreprise-là, Montagne d'Or. Oui, 500 000 euros. 500 000 euros. 500 000 euros. C'est du détournement d'argent public. Donc, c'est le détournement d'argent public. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut, à un moment donné, même nous, on s'est posé. Oui, Macron, on s'est même posé la question. Oui, exactement. La question que tu viens de poser, Gérald, effectivement, les élus locaux, combien on les a payés, c'est notre question, les élus locaux. Et donc il y a un vrai, problème de corruption. Qui doit payer les campagnes électorales, voilà. Les millions qui débarquent derrière ça, et à côté de ça, à côté de ça, on vire les contrats aidés, par exemple, c'est une réforme de la France, on vire les contrats aidés, et par contre, on veut dépenser 500 000 euros. C'est pour ça que je parlais de Pierre Bac en disant, il vaut mieux des bons à rien que des mauvais à tout. Parce que moi, en tant que contribuable, en tant que Français, je préfère payer 500 000 personnes, 1 000 euros par mois, ne rien faire ou à faire des choses positives, plutôt que de donner, comme pour les armes thermonucléaires, l'équivalent, 5 milliards d'euros par an, pour des trucs qui sont là pour carboniser des populations et pour polluer pendant des millénaires des territoires. Parce que c'est les armes thermonucléaires françaises, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a moyen de financer la Guyane, de financer tous les Guyanais à concurrence de 1000 euros par mois. Moi je dis, il faudrait faire ça pendant 10 ans, pour le temps qu'ils mettent en place leur propre structure, pour pouvoir de nouveau gérer durablement leur territoire, celui auquel ils appartiennent. Déjà qu'ils arrivent à nous donner les 1,86 milliard du plan d'urgence, et puis on verra. Mais ils n'arrivent même pas à nous donner 1,86 milliard. Moi perso, je pense pas que les 750 postes. Il n'y en aura même pas. Voilà, je pense que les locaux ne vont même pas bénéficier de ces 750 postes. Ouais. De quoi ils vont bénéficier? De rien. C'est pareil pour les 2%. Ils disent que les 2%, ça sera pour les Guyanais. Mais ça ne sera pas pour les Guyanais. Ça sera pour la métropole. Ça sera pour la France métropolitaine. Si tu nous retires les 2%, il ne nous reste plus rien. Tu retires les 2%. Ce qui veut dire, ils viennent, ils nous pillent, au revoir. Voilà. Et Monsieur Macron, dans son bureau, merci les 2%. C'est pour moi. C'est ça. Non, ils viennent, ils nous tuent. Ils tuent nos enfants, ils tuent les enfants de nos enfants. Et puis ils nous regardent de haut, ils nous disent bye bye. Et puis tu sais, pendant tout ce temps-là, eux, ils sont dans leur tour d'ivoire à 8000 km. Mmh. Et puis nous, c'est pas grave quoi. C'est-à-dire que là, ils sont épargnés, ils ont décidé. Que les Guyanais n'avaient pas le droit de vivre. Macron, c'est ce qu'on vous dit en fait. Vous avez décidé que les Guyanais n'avaient pas le droit de vivre. C'est ce que ça veut dire. Si vous mettez en place votre montagne d'or là et tout le reste, c'est que les Guyanais, en fait, vous vous asseyez dessus
et bye bye. Pas le droit de vivre, pas le droit voilà. d'exprimer, pas le droit de décider. Voilà, c'est tout. Mais ils sont français. C'est dommage que les élus sont pour ce projet-là. Oui, je n'ai pas donné de nom, mais je trouve dommage. Voilà. Les compagnies minières sont connues pour leurs pratiques douteuses vis-à-vis et leurs relatives. Comment dire, leurs pratiques très, très courantes dans l'utilisation des politiciens locaux, des autorités locales, et du détournement des appareils locaux pour arriver à leur fin. Enfin bon, malheureusement, la Guyane est française, mais c'est aussi l'Amérique du Sud. Et je vous dis que c'est une pratique bien courante dans tous les pays latino-américains qui est autour. Donc, et sans doute au Suriname aussi, ou dans ces pays-là. Donc, de toute façon, ils font pareil, c'est les mêmes compagnies qui opèrent dans les autres pays. Vous êtes... On est beaucoup plus de l'Amérique du Sud que français, en fait. Les Guyanais, font partie de l'Amérique du Sud, c'est géographique. Il n'y a pas ça. Vous allez voir aux États-Unis ou au Canada, là, dans les territoires indigènes, loin de Montréal, de Toronto, où ils ont leurs sièges sociaux, ou de Vancouver. Oui. Ils font la même chose. Oui, mais c'est le plan Nord. Vous avez les populations indigènes, mais là-bas, ils sont très peu nombreux, les gens. Gérald, si tu me le permets, moi, je sais que j'étais en relation avec Marc Fafard, qui était lui-même en relation avec des Innus et des Inuits au Québec. Il y a eu le projet, dans le plan Nord, ce qui s'appelait le projet Matouche, donc sur le bassin versant de l'ensemble des eaux potables du Québec et d'une partie du Canada, l'idée de faire la plus grande mine d'or, la plus grande mine d'uranium en souterrain, et elle aurait pollué définitivement toutes les ressources en eau potable. Et c'est la mobilisation de l'ensemble de la population qui a permis de faire un moratoire malheureusement provisoire sur ce projet Matouche. Là, moi je dis, il s'agit d'un problème vital. Moi, je demande à tous les intellectuels, les vrais intellectuels français, ceux qu'on ne voit pas à la radio et à la télé, de se mobiliser très fortement pour empêcher, un, le projet Montagne d'Or, et deux, tous les projets satellites dont vous nous avez parlé, et de soutenir les mouvements debout, les citoyens. On ne veut pas les petits bobos de Paris là, qui n'étaient pas là après pendant l'été. Il faut soutenir la population guyanaise pour lui éviter la mort et l'indignité. Voilà. Et donc, c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Je vous remercie franchement. Et vous revenez quand vous voulez. Et je vais laisser la parole parce qu'on a quelque chose à dire par rapport à Rémi Fraisse. Non, pas seulement. Je voulais d'abord remercier tous nos amis de Guyane qui sont là. Et donc, une amie, là, ton prénom Ivan vient de me dire que, donc, comme Macron passe la semaine prochaine en Guyane, ils ont prévu une énorme mobilisation. Et nous, on va suivre ça de près et relayer sur les réseaux sociaux partout. C'est ça à quoi ils doivent servir, les réseaux sociaux, en fait. On est chacun un média. Alors, je voulais vous dire que moi, je suis, ça va vous faire sourire, mais je vais agir là aussi. Chacun de nous peut agir, comme toi, Roger, Marc, ton prénom, Gérald, Pierre et vous tous, nos amis là, de Guyane. C'est que moi, je suis en contact de temps en temps avec celle qui remplace Hulot à la Fondation La Nature et l'Homme, la FNH, qui est absente, Audrey Pulvar. Elle me connaît, elle m'a encore fait un tweet là, très sympathique. Donc on appuie. Voilà, donc je vais appuyer votre cause dès demain. Je vais la contacter en privé. Merci. En privé et en public. Oui, oui. Je vais prendre des rendez-vous. Voilà, comment on fait là? Parce que vraiment, là, c'est au-delà des mots. Ce que vous allez vivre si on laisse faire ce projet. On est tous concernés. Je vais contacter Audrey et je vais aussi contacter une amie qui est à fond là-dessus sur les écocides. C'est Valérie Cabanès. Oui. Que tu connais Roger, que tu connais Marc, que vous connaissez, que Pierre connaît. Parce qu'elle a sorti un nouveau livre hier qui est sorti, c'est Homo Natura, sur justement les droits. Et puis il y a un autre sur les droits de la terre. Elle est à fond c'est quelqu'un d'honnête. Franchement, elle était récemment en Amazonie parce qu'ils ont réuni tous les gardiennes et gardiens de la Terre, vous savez ça, avec Raoni. Là, ils étaient là du 11 au 16 avec Gerd Peter Bruch, qui est un ami qui dirige Planète Amazon. Et donc, je vais contacter Valérie parce qu'elle est partout là en ce moment pour son livre. Je vais lui envoyer un message sur Facebook en privé. On a fait une vidéo ensemble, donc on était à La Haye avec Valérie. Je termine là-dessus, puis après un mot sur Rémi. On était l'an dernier aux 3 jours à La Haye avec plein d'activistes par rapport au procès mondial citoyen contre Monsanto, avec Marie-Monique Robin, là, dont on parle beaucoup actuellement, voilà, avec Vandana Shiva,
qui nous a révélé le chiffre des 300 000 Indiens qui se sont suicidés en Inde à cause des pressions des multinationales. À cause du prix des semences. Et on ne veut pas que ça se produise en Guyane. On ne veut pas que nos frères et nos sœurs guyanais se suicident à cause du projet Montagne d'Or et tous les autres projets criminels. Ça a déjà commencé malheureusement. En parlant de Monsanto, il serait bon aussi que la Commission européenne qui est en train justement de décider de l'interdiction du glyphosate ne se fasse pas encore laminer par les lobbies de Monsanto avec une reprolongation de 10 ans de cet herbicide. Les commissions travaillent pour les multinationales et justement là je tiens à le dire, jeudi prochain exceptionnellement, parce qu'on est là tous les jeudis depuis plus de 2 ans pour 4 jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite parce qu'ils sont les meilleurs clients des marchands d'armes français. Malheureusement, ils ne sont plus que 3 parce que le 11 juillet dernier, dans un silence retentissant des médias, Amjad, lui, a été décapité après son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en Arabie Saoudite. Jugé sans avocat. Voilà, et jugé sans avocat. Et donc, jeudi prochain, les Jeudis d'Ali qui se tiennent à République se tiendront au Mur pour la paix de Paris, dans le 7e arrondissement, parce que de 18h à 20h, ce sera le 3e anniversaire de la triste mort, et moi je dis de l'assassinat de Rémi Fraisse, par un gendarme français. Rémi Fraisse, Adama Traoré, Liu, eh bien, c'est un petit peu la manière dont le citoyen français est considéré. Il est tué, on ne respecte pas sa dignité. Et ce que l'on ne fait pas pour les êtres, on ne peut pas le faire pour les choses. Et c'est là-dessus que je vous quitterai. Je vous dis à jeudi prochain pour la 29e émission Radar. Et je passe la parole, quelques secondes, à Marc qui fait la technique depuis le début. Ouais, il y a une chose qui m'a choqué et frappé. Je m'en excuse parce que je n'avais pas considéré cette chose-là. Moi, je le voyais en tant qu'étudiant à l'époque scolaire, la conquête spatiale. Mais vous avez parlé tout à l'heure de nuisances sonores. J'ose même pas imaginer, vous qui êtes sur place, le nombre de décibels que vous recevez dans vos oreilles. Moi, ça me fait super mal parce que je sais que nous sommes nés avec deux peurs fondamentales, c'est la peur de tomber et la peur du bruit. Mais c'est d'une rare violence. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, je te remercie, Marc, et à la semaine prochaine. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Normalement, c'est ouvert, il n'y a même pas besoin de me prévenir. Vous passez dans le coin, 20h, 20h30, tous les jeudis, on est là. Et il va falloir relayer les suites. Parce que le vrai, nous on n'est pas les médias de masse. Les médias de masse, on parle d'un truc, tu sais, il y a l'actualité. Ah, il y en a un qui est mort, on en parle, et puis 15 jours après, on n'en parle plus. On ne pratique pas la censure. Voilà, et il n'y aura pas de censure. C'est-à-dire que vous venez dire ce que vous avez à dire et il n'y a pas quelqu'un qui vous... Là, c'est génial que vous soyez venu. Vraiment, c'est important. Pour tout le peuple guyanais et tous les peuples du monde. Parler de la montagne d'or. Hein. Ah oui, moi je veux que... Les grands médias sont là. Exactement. Non, mais nous, on va en parler. Nous. On va bouger le truc pour que ça ne reste pas comme ça. Et en plus, c'est ce que tu as dit, montagne d'or, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Ne nous focalisons pas que sur montagne d'or. Il faut arrêter montagne d'or. Oui. Et puis, il faut tous les autres projets liés en Guyane. Oui, parce qu'ils vont... Bah oui. En fait, là, même eux, leur projet Montagne d'Or, c'est la décision, c'est en fin d'année. Mais ils ont fait passer 2 petits projets entre-temps en Algérie. Hein. Ouais. Et l'exploitation pétrolière, il y en a offshore. Oui. Et moi, je sais que... Total a été jeté. Moi, j'ai vu un... Au contraire. Et Total a signé pour 25 ans au Qatar. Oui, au Qatar. C'est vraiment... Oui, mais en France, il dit qu'effectivement, il faut se diriger vers de nouvelles énergies et il renouvelle... Ouais. Le pétrole, oui. Ça mieux de faire la sieste. Ouais, voilà. Non, mais ça, c'est la propagande. Maintenant, on sait très bien que... Alors, sur la thématique amérindienne, je voulais simplement signaler que le 26... je ne sais pas si on enregistre encore. Oui. Le 26, donc à l'INALCO, donc à 19h à l'INALCO, je n'ai pas l'adresse en tête, mais enfin, bon, tout le monde sait où c'est, non, près de la bibliothèque François Mitterrand, enfin, c'est dans le quartier. Donc, nous aurons une petite conférence sur puisque c'est le mois d'octobre, au mois d'octobre, régulièrement, il y a pas mal d'événements ici pour rappeler le génocide indigène en Amérique. Il y a notre Sinapa aussi, on n'en a pas parlé, mais en octobre 2014. On aura une conférence sur les droits des indigènes et les violations des droits de l'homme des peuples indigènes. Donc ça se passe à l'INALCO le 26 à 19h. D'accord. Ayot Sinapa. Octobre 2014, c'est vrai que je voulais le signaler parce qu'il y a quand même eu 40 études. Septembre.
Mais enfin bon, oui. Effectivement. Mais il y a eu beaucoup de célébrations en octobre 2014 parce que c'est, il s'agit de 40 étudiants qui essayaient justement de préparer le monde de demain, justement, qui étaient des autochtones d'une université populaire. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut. C'est, il faut s'approprier et il faut devenir des autodidactes et s'approprier tout ce qui d'habitude est le pouvoir de l'État. C'est à nous d'être l'État. Voilà, c'est à nous de dire l'État, c'est nous. Voilà. Et pour terminer sur une note d'humour, moi j'avais une petite note d'humour parce qu'il nous reste plus que ça qui n'est pas encore taxé, l'humour et l'amour. Et donc sur une note d'humour, je pensais ces jours-ci à la marmotte, cet animal très beau des montagnes qu'on a. Hein. Qui adore faire la fiesta. La marmotte qui hiberne 6 mois. Oui. Alors, je propose que tous les humains hibernent 6 mois et la Pachamama sera soulagée. Il n'y aura plus de guerre, plus de misère, pendant plus de pollution pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Ça va être génial. On va faire baisser le CO2. On a été mais, ça. Attends, mais ça va être... Attends. Mais que Macron et Hulot commencent. Ah. Vive les marmottes. Ouais, vive les marmottes. Donc, on suit très fort ce qui se passe en Guyane, là, ces jours-ci. On va suivre tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à fond.